Salut tout le monde, c'est Aldezo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 2 de The Order 1886. Et donc je vais lancer le jeu. J'espère juste qu'on va bien reprendre exactement au même point que la dernière fois, parce que j'avais fait une sauvegarde assez rapide, on va dire. Si le jeu veut bien se lancer. On va essayer de se faire une demi-heure de let's play aujourd'hui. Après, peut-être que je vous ferai des let's play un peu plus longs. Est-ce qu'on peut pas le passer, ça? Non. Bon, je sais que jouer à The Order, c'est moi qui l'ai mis dans la console, merci. Si tu pouvais aller plus vite, donc continuer. On va voir où ça nous met. Galahad, réponds ici le commandement. Je t'entends, Perceval. On fait une petite balade au parc, hein? La fraîcheur londonienne matinale stimule vraiment les sens. Je ne veux pas perturber ta promenade, mais plusieurs cibles ont été confirmées sur Grand-North Square. Quels sont les ordres? Va à la United India, où vous savez qu'Ygraine et Lafayette pour circonscrire la menace. Tu l'as en visuel? Où est-ce que t'es? Utiliser R pour concentrer sur les détails. Juste devant moi. Parfait. Évalue la menace une fois sur place et avance prudemment. Est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement? Oui. M2, Falcon Essex. Bien. La fonction secondaire du Falcon devrait aider. C'est un joli joujou qu'on a là. Nous avons certes affaire à des fous, mais il n'en reste pas moins des civils. Utilise la force non létale, si possible. Compris. Tu nous rejoins? J'ai une petite affaire à régler. Je vous retrouve après. Bon, en route. Terminé. Allez, je veux jouer. Mais pas avec mon arme. Donc ça fait rien qu'à l'intérieur, on croit. Je peux rien faire. Je me demande s'il n'y a pas les petits trucs à ramasser par-ci par-là. Je sais pas, des trucs à inspecter ou... J'ai pas de fonction. En tout cas, il est toujours aussi beau. Rejoindre Ygraine. Ok. Là. Bonjour. C'est pas toi? Non. Pi. Oh, ma sale gueule. Ah putain, mais comme dans tous les jeux, le miroir il marche jamais. Je suis un putain de fantôme. Ça c'est trop casse-couille parce que franchement, regardez, il y a mon ombre, il y a pas mon reflet. Génial. Qu'est-ce donc? Je pense pas que ça serve à grand chose par contre de faire ça. Bonjour messieurs. C'est bien, t'es poli. Okay, rien. J'aimerais bien pouvoir courir. Toi t'es pas poli par contre. C'est ouvert. Moi toujours pas. Putain, c'est mal fait ça par contre.
Pour l'instant, je crois que j'ai pas encore vu un seul jeu où on pouvait se voir dans les miroirs. Je descends la rue en ce moment. Compris. Ok. Tu connais pas les portes de sortie? Galahad, Y, des nouvelles de Lafayette? Négatif. Idem. Il est probablement en train de batifoler. Enfin, toujours fidèle à lui-même. Je comprends ton inquiétude, mais crois-moi, il saura se débrouiller. Si tu le dis, je n'ai pas le temps de partir à sa recherche. Je vais affecter les inspecteurs à leur poste. J'aimerais bien pouvoir courir quand même. Oh là là, c'est chiant. Bien faite. Ça c'est génial par contre. Il est asthmatique. Vous êtes docteur, madame? Non, mais mon père m'aide. Et j'ai vu des tas de patients atteints. C'est facile à dire. Galahad, veille à boucler tout le secteur. Et en silence. Comment es-tu arrivé aussi vite? Le talent. Je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge. Aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude. Mais si, la demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy, c'est pas ton genre. Qui sont les cibles? Des aliénés qui se déchaînent. Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. J'espère que tu n'as pas perdu la main. N'oublie pas qui t'a formé. C'était le meilleur. En son temps. C'était. Tu assures toujours. Pas autant que moi. Bien, madame. Ygrène, réponds. Bien reçu, Perceval. Fugitif multiple repéré à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Compris. Bien, Gray. En route. Je crois qu'on n'a pas la même description de rapidité. On les voit rarement, mais c'est rassurant de savoir qu'ils sont. Elle peut courir là, pourquoi je peux pas moi? Voilà, c'est pas trop tôt. Ah mais ça se voit qu'il est de l'âge hein. Putain, il pourrait pas courir plus vite. Quand on y sera, ne laissez personne passer. Vous n'avez pas besoin d'aide, ma belle. Vous voulez dire un homme pour prendre les choses en main? C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. Les ennuis. Les mercenaires à la gâchette facile. La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en retrait. Pas prendre mon arme à la main comme elle. Ah.
ouvert. Allez, appuie sur rond. C'est comme tu veux, hein. Ah ben voilà. C'est parti. Et comment on fait pour tirer? Y'a pas de curseur? Rechargeons. Ah, pleine c'est tronche. Bon. En avant. Il ne touche que Call of. Enfin, ah, là il court. Sortez d'ici, trouvez des armes! Vous deux, ramenez-vous vite ici, venez m'aider! Allez! Allez! C'est parti, bande de bâtards! Un fusil serait plus approprié. Fugitif à terre! Hop! D'autres fugitifs dans la ruelle! Certains se dirigent vers la triomphe! Oh là là! Ah, mais c'est une. Ok, ok. Par contre, pas beaucoup de vie, je crois. Par contre, ils ont de la vie. Toi, tu peux y aller. Ennemi à terre. Rue nettoyée. C'est quoi ça, R1? Ça fait quoi? J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Oh, des escaliers. J'y vois rien. Il a pas aimé. Ça fait rien son truc. Quand il m'avait dit de faire un triangle, je sais pas du tout à quoi ça servait. Ah. Un petit revolver. Bon sang. Allez. Cible anéantie. On devrait vérifier. Allez, défonce la porte. Comment on fait pour la défoncer? C'est verrouillé. J'entends du bruit à l'intérieur. Ouh. Vite. D'autres fous à l'intérieur. Et tu veux que je fasse quoi? Ah ok. Tire maintenant. Easy. Ça va? Mon sang. C'est une boucherie. T'es prête? Dégageons ces ordures. C'est fini, Jeanne. C'est pas vrai. Bien. On y va. Trop tard. Je vois pas d'où ça vient. Sérieux, ils sont à côté de moi. Il faut que je recharge. Derrière. Ah putain, mais je
recherche. Il y avait un petit triangle là. C'est un peu drôle ça. Boum, pleine tronche. Il y en avait d'autres à l'étage supérieur. Nous devons y aller. Compris. Ah, ça c'est bien fait quand même. J'aime bien. Un peu lente quand même pour ton âge. Allons au deuxième étage. Tout se passe comme prévu alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Honneur aux dames. Silence. Tu crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois ? Hein ? N'en dis pas plus. Miam. Des balles. Putain. Oh merde, je tire à côté, sérieux. Je merde, il y a du monde à côté. Oh, elles sont stylées par contre, les... Quoi ça? Cible anéantie. Non non, il en reste. Je te rassure. Je recharge. Putain, mais elles partent pas droite les balles, j'ai l'impression. Ça là par contre elle a bien atteint sa cible. Ouais, plus personne. Vous deux. Chef, descendez. Il y a des civils en détresse. Oui, chef. Chef, le général Lafayette est à côté. C'est une blague. Est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire? C'est ton problème. Essaye de pas t'attarder. Coquinou. Lafayette. Ah, monsieur, cette demoiselle requiert mon attention. Marquis, ton attention est requise ailleurs. Soyez sûre, mademoiselle, que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation. Oh, Marquis, ne partez pas ainsi. Hélas, mademoiselle, mon devoir m'appelle ailleurs. Ravissante, n'est-ce pas? Je n'avais pas vu. C'est parce que vous n'êtes pas français. Tu es le plus américain des Français que je connaisse. Je suis un amoureux de la liberté, mon ami. Un vrai chevalier doit réfréner ses passions. Sans passion, monsieur, un homme ne peut combattre. On ne combat pas des hommes, Marquis. Homme hybride, quelle importance. Vive la liberté!
pour une fois. Marquis, prenez cette entrée avec Dame Ygraine. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Oui, monsieur. Monsieur. C'est parti. Toujours pas de munitions, c'est génial. Quartier général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers. La police vient de boucler les zones concernées. Les sentinelles continuent de patrouiller. Nous vous alerterons si nous repérons les patients en fuite. Compris. Doit bien avoir quelques trucs de cachés dans toutes ces pièces quand même. Ils ont pas fait juste pour faire joli. Ça m'a l'air très classe. Où est-ce que tu es rendu? Dans la salle des générateurs. On a décidé de se séparer avec la paillette pour nos recherches. Oui, mademoiselle. Mais je n'ai pas rencontré de résistance. Assassin's Creed, c'est... On est un peu moins habile, mais... C'est déjà ça. De te battre sur ce coup. N'oublie pas, les jeunes gagnent toujours. Vas-y. Qu'elle aille dire ça à Stallone. On va voir. Écoutez, l'un de nos fugitifs est un hybride. Au moins deux. Mademoiselle, êtes-vous proche de lui? La route est bloquée. Il va falloir du temps pour le rejoindre. Crève, saloperie. Là. Cible confirmée de mon côté. Je l'entends, mais je sais pas où il est. Ah putain. On peut faire croix en plus, j'ai vu. J'ai plus le temps. Ah ok, ça prend un petit trou là pour pas qu'il attaque. Je l'ai pas vu, putain, il me fait sursauter le con. Ah merde. Allez, marche. Je peux monsieur, pas faire triangle. Accrochez-vous, si tu prêtes. Monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai presque tous eus. Le dernier s'est enfui. Ygraine, ton électrofusil. Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le. Compris. Putain.
touché. Tout le monde va bien? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Raison Street. Bien reçu. On y va. C'est sale. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Westminster, les catacombes. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sir Perceval. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de Sa Majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher Sir Perceval. Elles pointent dans une direction, mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que l'éventreur, puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, voyez. Le conseil se réunit dans 2 jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Par ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviens de votre conseil. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Le chevalier ne renonce pas à l'autorité pour des ronds de cuir. Personne n'a la raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Bon les gens, je vais faire un petit montage pour enlever la petite fin là, vu qu'on est passé à l'acte 2. Donc je pense vous faire les vidéos en actes, comme ça, acte 1, acte 2, compagnie. Enfin, je crois que c'est pas des actes, c'est des chapitres. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc moi je vous laisse sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.